à mon autorité, et la flotte de mort obéit désormais à mes ordres. Grâce à eux, je vengerai la trahison d'Amon. Votre peuple croit-il autant en cette cause que vous? Peu importe. L'essentiel est qu'ils obéissent. Nous n'avons pas la même façon de diriger Alarak. Malgré tout, nous parviendrons peut-être à mettre un terme à la violence entre nos deux peuples et à forger une puissante alliance. Y parviendrons-nous? Mon peuple est vraiment différent du tien, Hierarch. Nous désirons tous les deux nous venger, et nous sommes tous deux des Protoss. N'est-ce pas suffisant? Très bien. Soumets-toi entièrement à moi, et nous pourrons unir nos forces. Ne me provoquez pas, Tal'Darin. Amon est un puissant adversaire. Votre peuple n'a aucune chance seul contre lui. Vous allez combattre à mes côtés, et ensemble, nous le renverrons dans l'abysse. Donc tu comprends bien mes cultures, après tout. Disons que pour le moment, nous avons conclu un nouveau marché. J'ai alimenté un nouveau sous-système du vaisseau. Vous pouvez l'examiner dès à présent au noyau solaire. Les Tal'Darim ont accepté la vérité sur la trahison d'Amon? Certains. Et les autres n'osent pas remettre en cause les ordres. Personne ne souhaite vous défier au Rakshir. Qu'ils essaient. Personne ne s'opposera à ma vengeance. Ça devient fatigant. Nous avons fait ce pourquoi nous étions venus. Absurayur, allons affronter Amon. Ne vous avisez pas de me donner des ordres, Alarak. Nous retournerons sur Ayur uniquement quand j'estimerai que le moment est venu. J'espère qu'il viendra bientôt. Artanis, vous devriez savoir que ma crainte des Tal'Darim ne se fonde pas sur ce qu'ils sont aujourd'hui, mais sur ce qu'ils deviendront si Amon est vaincu. Vous craignez qu'ils ne s'intègrent jamais à notre société? Ils sont de notre sang, mais nous ne sommes pas semblables. Vous savez qu'au fond, cela peut ne jamais changer. Une terrible bataille se profile peut-être à l'horizon, mais c'est un risque que nous devons courir. C'est un risque énorme. La genèse d'une race Protoss unifiée le justifie. Comme les fils d'une étoffe, nous devons nous unir pour devenir plus forts. Pensez à ce que nous pourrions devenir si leur culture nous influençait, si elle nous changeait. Oui, elle nous changera. Et peut-être que cela vous effraie encore plus que la guerre. La voie qui s'ouvre à nous n'est pas balisée, matriarche. Oana? Je la vois, Artanis. La vérité qu'Amon s'emploie à cacher, pendant que ses semblables Xel'Naga sommeillaient au long des millénaires. Amon et ses disciples descendirent sur Ayur. Et il inspira ses habitants. Ils régnèrent sur nous en mentor, en dieu. Il nous modifia, manipula notre essence. Et nous avons fini par échapper à son contrôle. Lui et ses disciples se sont enfuis vers Zerus, où ils ont créé les Ergs. Les hybrides sont le pinacle de ses efforts. Des Xel'Naga dénaturés, recréés à son image. Ils sont... Nous devons... Roana, c'est trop dangereux. Vous ne pouvez pas continuer à faire cela. Je le dois, Hiérarque. Mon devoir est de connaître la vérité et de la supporter. Maintenant, je sais. Le savoir est ma raison d'être. Alarak met ses aspirants à notre service. Ils sont farouches, mais puissants. N'allez pas penser que ce qui s'est passé ici détournera ma vigilance, Tal'Arrak. Je ne le pensais aucunement. S'il ose nous trahir, s'il commet le moindre acte contre vous, je jure de couvrir ces couloirs de son sang. Bien. C'est ce que j'attendais de vous.
L'imagination dont vous faites preuve dans la perte de temps est sidérante. Les Tal'Darim et Alarak ont rallié notre cause. Mais nous ne pouvons pas frapper ailleurs tant que les armées d'Amon sont aussi nombreuses. Le contingent Mobius supervise le laboratoire de production d'hybrides d'Amon. Je ne peux laisser cela continuer. Nous allons nous rendre à Revanskar et détruire cette station avant qu'Amon ne crée davantage de ces abominations. Conformément aux ordres, mes Templiers Noirs ont traqué les soldats du contingent Mobius jusqu'à leur base dans la ceinture d'astéroïdes de Revanskar. Beau travail. Garax, que savez-vous de leur défense? Le champ d'astéroïdes est extrêmement instable. Il protège l'accès à la base. La lance d'Adun ne pourra pas passer. Cependant, nos porte-nefs devraient pouvoir frapper le cœur de l'installation. Nous nous mettons en route sur le champ. Amon m'a pris mon armée. Je vais lui prendre la sienne. Préparez les vaisseaux au combat. Hiérarque, les appareils du contingent de Mobius ne se placent pas en formation d'attaque. Il y a quelque chose de louche. Nous relevons des signatures de camouflage terrain sur les passerelles inférieures. Elles se dirigent vers le pont. Templiers, avec moi. Nous ne laisserons pas la lance d'Adun tomber. Garax, nous ne pouvons pas laisser cet assaut interférer avec notre plan. Le contingent Mobius ne s'attend pas à ce que nous contre-attaquions. Même si vous n'êtes pas un combattant, vous connaissez leur défense mieux que personne. Je vous confie donc cette tâche, Forgevaz. Dirigez nos porte-nefs contre cette installation, pendant que mes guerriers tiennent cette position. À vos ordres, Yark. Besoin de nos meilleurs éléments pour défendre le vaisseau. Je sais que vous n'avez pas été formé au combat, Forgevaz, mais fort de votre expertise tactique, vous pouvez détruire cette installation. Allez-y, vous avez toute ma confiance. Le complexe Mobius. Comme je le soupçonnais, c'est bien de là que proviennent les armées hybrides d'Amon. Il est alimenté par trois noyaux d'énergie. En les détruisant, nous le déstabiliserions et pourrions ainsi raser ce qui reste de cette installation. Établir notre base sur la périphérie de la plateforme permettrait à nos Templiers de s'infiltrer plus facilement. Mais il n'existe aucun accès terrestre, et l'endroit n'offre que peu de minerais. Par chance, nos porte-nefs sont prêts. Leur aide précieuse devrait régler le problème. La plateforme est verrouillée par des systèmes de sécurité mis en place par le contingent Mobius. Mais les déchiffrer devraient être un jeu d'enfant. Si je parviens à briser les sécurités, je pourrais déplacer la plateforme vers des endroits offrant du minerai supplémentaire. Bon, au moins ici, nous disposons d'assez de ressources pour nous installer. Les ténèbres s'étendent. Je ferai vite. Serviteur, je vous offre... Vos guerriers ont engagé le combat. Les yeux sur l'horizon, prêts pour la bagarre. La victoire nous attend. Les yeux m'appellent. Ah, enfin. Je ferai vite. Serve.
serviteur. Jokav! Comment traite-t-on de vos exigences? Les cieux m'appellent. Porte-nef en position. Ma lame réclame le... Je suis prêt. Nous sommes prêts. Le système de sécurité des commandes. La plateforme est opérationnelle. Les contrôles de navigation du coin supérieur droit du panneau de commande me permettront de la dépasser vers de nouveaux gisements de ressources. Cependant, l'ennemi ne sera jamais loin. Je ferai mieux d'envoyer quelques vaisseaux en éclaireur avant de changer de lieu. De minerai épuisé. Les yeux sur l'horizon. Je savais que vous seriez d'accord. Champ de minerai épuisé. Les cieux m'appellent. Nous sommes prêts. Serviteur, je savais que vous seriez d'accord. Les yeux sur l'horizon. Je détecte plusieurs banshees en approche de notre Nexus. Amon est délié. Notre sommeil prend fin. Champ de minerai épuisé. Du courage et l'honneur. Le ciel est mon champ de bataille. Joka. Amélioration terminée. Serviteur. Ah, enfin. Je ferai vite. Nous sommes prêts. Pas de motif. Finissons-en. À la victoire, nous avons trouvé l'ennemi. Que tombe l'oubli. Finissons-en. Zarakonol. Repousser les hybrides loin de la lance d'Adun. Avez-vous localisé leur chambre de stase? Les mesures indiquent la présence de deux chambres à proximité. La solarite grâce à laquelle elles fonctionnent nous serait d'une grande utilité. Je suis prêt. Prêt à engager le combat. C'est le moment. La bataille est gagnée. Zarakonol. La bataille est gagnée. Affirmatif. À la victoire. Nah, Azum. Amélioration terminée. Thank you.
C'est le moment. La bataille est gagnée. Porte-nef en position. Nous sommes. La victoire nous attend. Porte-nef en position. À la victoire. Vous n'avez pas assez de minerais. Vous n'avez pas assez de gaz d'espèce. Nous sommes prêts. À la victoire. Zoom. C'est le moment. La bataille est gagnée. Pour le talion. Notre base est attaquée. Amélioration. Nous marchons sur l'ennemi. La victoire nous attend. C'est le moment. Ce vaisseau sera vengeur. Système à plein régime. Écoute, Anna. Anda. Champ de minerai épuisé. Noyau prismatique en ligne. Ce sera fait. Calibration des lentilles du vide. Enregistré. Vos guerriers ont engagé le combat. Char. Andakur Urok. Système à plein régime. Champ de minerai épuisé. Alignement du réflexion. Vous n'avez pas assez de gaz d'espèce. Champ de minerai épuisé. Vos guerriers ont engagé le combat. Champ de minerai épuisé. Le noyau d'énergie est détruit. Les réserves d'énergie du contingent Mobius sont tombées à 66%. Excellent travail, faut que je passe. Continuez. Champ de minerai épuisé. Cristaux de phase. Champ de minerai épuisé. Ce vaisseau sera vengeur. Canaliser la lumière d'allure. Commandez. Zatna. Paré pour la victoire. Système à plein régime. Ce vaisseau sera vengeur. Je suis le cœur des ténèbres. Canalisez la lumière d'ailleurs. Ce sera fait. Système à plein régime. Annihilation en cours. Kas Arashar. Andakur Urok. Vos guerriers ont engagé le combat.
Hawk. Ce sera fait. Enregistré. Système à plein régime. Casse à la char. Certaines expériences ne devraient jamais être menées. Le combat. À la victoire! Noyau prismatique en ligne. C'est le moment. Zarakonol. La bataille est gagnée. Affirmatif. La bataille est gagnée. Na Azum. Prêt à engager le combat. À la vie. Nous avons trouvé l'ennemi. Vous n'avez pas assez de gaz d'espèce. Nous attendons l'appel. Zaknaku Afal. Andakur Urok. Calibration des lentilles du vide. Et Kuda Anai. Annihilation en cours. Ce sera fait. Casse à la char. Système à plein régime. Enregistre. Amélioration terminée. Andakur Urada Kural. Zaknaku. Nous sommes à cristaux de phase chargés. Ce vaisseau sort. Ce sera fait.
base est attaquée. Zaknaku Afal. Canal. Guidez-moi. Exprimez votre... Ce vaisseau sera... Cristaux de phase chargés. Engager le combat. Porte nef en position. Calibration. Et nous avons trouvé l'ennemi. Achat. Vos guerriers ont engagé le combat. Suis la voie. Système à plein régime. Poursuivons. Enregistré. Parlez pour la victoire. Nous sommes. Belle puissance. Canaliser la lumière d'ailleurs. Engager le combat. Avec honneur, ma lame réclame le sang de nos ennemis. Zaknaku. Vous n'avez pas assez de gaz d'Espen. Canaliser la lune. Nous sommes à pleine puissance. Kas Arasha. Andakur Urok. Vos guerriers ont engagé le combat. Votre base est attaquée. Les chambres des hybrides ne sont plus. Et la Solarite nous appartient. Je n'aurais jamais imaginé que les choses se passent aussi bien. Et vous n'avez pas assez de minerais. Nous sommes à pleine puissance. Tasse. Porte-nef en position.
synchronisation. Ce sera fait. Porte-nef en position. Zatma. Nous attendons l'appel. Cristaux de phase. La victoire nous attend. Ce vaisseau sera. Enregistré. Un Hanak Palu. Là, Azum. Prêt à engager le combat. Nous sommes... Zatnaku Aval. Vous n'avez pas assez de minerais. Vous n'avez pas assez de minerais. Nous attendons la porte nef en position. À la victoire! Paré pour la... Cristaux de phase chargés. Ce sera fait. Casse à la char. Nous affrontons l'ennemi. Votre base est attaquée. Porte-nef en position. Canalisé. Nous attendons l'appel. Enregistre. Vous n'avez pas assez de minerais. Zatnaku Aval. Ce vaisseau sera vengeur. Système à plein régime. Calibration des cristaux de phare. Porte-nef en position. Assez de minerais. Écoute, un noyau prismatique en ligne. Casse à l'achat. Canaliser la lumière d'ailleurs. Calibration des lentilles du vide. Ce sera fait. Andakur Ewa. Annihilation. Champ de minerais épuisé. Andaterada Rural. Nous avons noyé prismatique en ligne. Vos guerriers ont engagé le combat. Champ de minerais, vous n'avez pas assez de gaz d'espèce. Andakur Ewa. Vos guerriers ont engagé le combat. Andakur. Périssé dans les flammes! Vos guerriers ont engagé le combat. Champ de minerais épuisé. Vos guerriers ont engagé le combat. Feu. Notre pylône subit une attaque. Ce sera fait. Enregistré. Casse à la char. Écoute. Je suis noyau prismatique. Vos guerriers ont engagé le combat. Donc d'attaque
calibration et l'antique. Nous sommes à... Vous n'avez rien signe de Jax Despen. Guerriers ont engagé le combat. Engager le combat. Noyau prismatique en ligne. Erabata Damier. Volonté, commandant. Casse, arrache. L'ennemi sera purifié. Zaknati Afar. Erabata. L'alimentation de la plateforme est bientôt coupée, Hiérarque. Il ne reste qu'un noyau d'énergie. Bien joué, Garatz. Les attaques contre le vaisseau ont perdu en intensité. Synchronisation. Au ailleurs. Canaliser la lumière d'ailleurs. Comme faites part de vos exigences. Avec honneur. Synergie des protocoles. Pour Phoenix. Engager le combat. Nous sommes à pleine puissance. Ce sera fait. Non. Vous d'abord. Les cuirassés du contingent Mobius désertent le périmètre de la lance d'Adoun. Oui, je crois que je les ai trouvés. Mais c'est sans importance. Nous ne nous laisserons pas décourager. Le dernier noyau d'énergie a été détruit. Nous devons frapper maintenant. Hiérarque, la lance d'Adoun est-elle en sécurité? Oui. Nous avons repoussé les intrus avant qu'ils n'atteignent le noyau solaire. Les commandes de notre arsenal sont entre vos mains. C'était un honneur de vous servir. Feu à volonté! La fabrique d'hybride d'Amon n'est plus que ruine. Son armée est brisée. Et pourtant, pendant un bref instant, nous sommes restés en équilibre au bord du gouffre. Si nous n'y sommes pas tombés, c'est grâce à la bravoure d'un Templier. Au milieu des ténèbres, j'ai aperçu une lumière. J'ai vu un espoir rebelle. Garax de Kalaï, vous êtes né artisan au sein d'une caste d'ingénieurs, mais désormais, vous êtes devenu un guerrier. Aujourd'hui, il apparaît que l'ère des castes est arrivée à son terme. Aujourd'hui, nous devons tous devenir des Templiers.